Et coucou la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo box. Donc vous avez vu la dernière fois, on a testé une box vêtements qui n'a pas du tout été convaincante pour moi. J'ai eu vos différents avis, hein. Il y a des personnes qui étaient pour, qui en étaient très satisfaites. Et moi c'était un peu bof bof. Mais j'ai écouté le conseil de l'une d'entre vous qui me disait de commander la box Plumaya. Donc c'est by Little Cigogne. Je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai regardé sur internet, je me suis renseignée, etc. etc. Je vais fermer la fenêtre parce que mes voisins sont chez eux. Hop! Donc on va découvrir ça. Alors, avec Plumaya, alors ça je vais éviter de regarder, pour Angélique de la part de Christophe. Eh bien, merci Christophe d'avoir préparé ma commande. Alors, la commande totale est à 242,89 € pour 3 looks, 3, 6, 8... 8 articles, 3 looks complets, 8 articles pour 242,89 €. Avantage mal complète. D'accord, on a 27 euros de réduction si je regarde s'il n'y a pas trop d'infos. Hop, vous voyez, on a look 1, 3 articles, look 2, 3 articles, look 3, 2 articles. On a le total ici, donc 269,88 €. 26 euros en moins, et donc le total si on prend l'ensemble des articles. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, alors retour en ligne, préparer le colis, tralala, tralalire. Ok, en mondial relais, le retour ou en colissimo. Ok, bon, on va essayer ça tout de suite. On va regarder comment c'est un petit peu présenté. Il y a un petit papier de soie. Je vais essayer de vous montrer le carton. C'est quand même un gros carton, vous voyez, avec un papier comme ça, avec c'est écrit préparé avec amour. C'est super joli. Donc on va regarder ça. Est-ce que les looks sont séparés? Je vais reprendre ma petite feuille que j'ai perdue. J'ai mon fils qui crie dehors, mais je crois qu'il est en train de faire du camion dans le sable. Donc il a cru qu'il avait un bulldozer, je pense. Alors, organisation. On a une chemise noire ici, ça doit être celle-ci. Un pull bleu et un jean. Alors, un pull bleu Franza et un jean Vero Moda. Alors, le jean, where is le jean? Je ne trouve pas le jean, messieurs, dames, si je l'ai. J'ai le jean. Donc là, on a une chemise noire en taille 42 Vero Moda. On a un pull bleu ici, femme 42-44. Franza Plus, je connais pas. Et un jean femme en 42 Vero Moda. Donc la chemise à 29,99 €. Le pull à 49,95 €. Et le jean à 39,99 €. Et alors, dans quel sens on met tout ça? La chemise, on la met en dessous du pull, j'imagine. Je pense. Je pense. Bon. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, alors, je vais déjà vous montrer la chemise avec le pantalon, parce que sinon, après la chemise, on ne va plus la voir. C'est une chemise basique noire. Voilà, la taille va. On a toujours ce petit souci de poitrine. La matière est très agréable. Très, 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 très agréable. Vraiment. Le jean... C'est un jean basique bleu slim. Aucune difficulté à le passer. Il va très bien. Il va très bien. La taille est parfaite. C'est un slim. Brut.
Enfin, oui. Bon, il est très très long ce pull, non? C'est une robe? Comment ça se passe? Oh là 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 là, je ne sais pas ce que ça va donner cette histoire. Vraiment, vraiment. Ou alors je ne le mets pas de... Bah si, hein. Je ne peux pas mettre la chemise au-dessus. C'est... Je me pose des questions un petit peu bizarres avec cette box, voyez-vous. Bon, alors, les manches ici. Vous connaissez mon amour pour ces manches-là. Quand on a des gros bras, c'est pas facile, facile. Alors, bon. Qu'est-ce que ça donne cette histoire? Ah bah alors, mais qu'est-ce? Mais je comprends pas en fait. Je ne comprends pas du tout. Pas du tout. Alors, ça c'est pas un pull, c'est une robe, non? Ou alors je me suis complètement trompée d'article. Ben non, pull bleu. Franzo. Ben non, parce qu'après c'est une robe noire, donc c'est ça. Pull bleu. Bah alors là, enfin j'ai pas 50 ans quoi. Enfin je sais pas, je comprends pas en fait là. Je comprends pas. Je sais pas. Je suis assez dubitative. La chemise en gros elle sert à pas grand-chose, mis à part avoir un col. Là, je manque d'arguments, vraiment. Je comprends pas la tenue, en fait. Je comprends pas. Donc, la chemise, j'en ai beaucoup de chemises noires, donc je vais pas garder. Le pull, qui pour moi est une robe, je vais pas garder. Par contre, le jean, franchement, le jean va. Mais je suis pas très fan de la couleur, mais le jean va. Et la qualité Vero Moda, c'est une très bonne marque. Donc voilà. Bon, pour l'instant, c'est un peu moyen. Deuxième tenue. On a un pantalon kaki en 42 JDY. 29,99 €. Pardon. On a... Je pense que c'est ça, non? Ouais. Un t-shirt noir 42-44 Vero Moda Curve à 19,99 €. Et un pull noir. Donc. Un pull noir. Ouais, un pull noir 42 à 49,99 €. On va voir tout ça tout de suite. Je suis un peu... Je sais pas. Je sais pas. Bon, la première tenue, c'est un flop total. Donc, on passe à la deuxième. Bon, look 2. Si on prend séparément les pièces, le pull... Je l'aime énormément. Vous savez que j'ai un amour pour les motifs un peu animaliers. Le pull, je l'aime beaucoup. Alors, on a un col rond comme ça, mais qui ne serre pas. La matière est hyper, hyper agréable. On a des manches qui arrivent bien ici et ici. Par contre, je ne sais pas ce que ça fait avec ce pantalon. Parce que là... clairement, si je le passe au-dessus, si je le mets dedans, ça va pas. Si je le passe au-dessus, aucun intérêt pour moi, puisque c'est un taille haute avec des détails comme ça. Donc, je sais pas trop là. Christophe, t'as merdé là. Le pantalon en soie, je vais vous le montrer. Hop,
Le pantalon, je ne sais pas où vous êtes parti là. Oh là là là. Attendez, attendez, attendez. Voilà. Le pantalon, en soi, il est pas mal. Il est hyper léger pour la saison. Il est kaki, il est hyper agréable, il est taille haute. Je vais vous le montrer avec uniquement le t-shirt. Le t-shirt est très agréable en dessous. T-shirt en dessous, on est sur un col un tout petit peu large ici. Le t-shirt est très très agréable. Vous voyez que le t-shirt, excusez-moi, que le t-shirt avec le pantalon, ça passe. Mais bon, je ne vais pas porter le pull comme ça, quoi. Parce que la limite, ça peut le faire. Mais je ne comprends pas du tout l'association de ce pantalon taille haute avec ce pull. Je ne le comprends pas du tout, mais alors pas du tout. Le pull, franchement, j'aime bien. Est-ce que je l'aime suffisamment pour le garder? Peut-être bien que oui. Même si je crois que j'en ai un à peu près dans le même style. Vous voyez? Ça, c'est un que j'ai eu chez 17 Store. Là, on est sur un col roulé noir. Vous voyez la couture plus basse. Bon, celui-là, il est dans les tons gris, noir, un tout petit peu beige. Celui-là, on est plus dans les noirs beige. Peut-être que ça peut ne pas faire doublon, voyez-vous. Peut-être. Faut voir. Faut voir. Mais donc le pull, on a dit on aime bien, ok. Mais moi, je fais quoi de ce pantalon et de ce maillot là? Parce que bon, le maillot 20 € le t-shirt juste pour avoir un col comme ça, pas sûr. Et le pantalon, bah le pantalon, ouais. Mais pour le printemps, et j'ai dit que je voulais cacher la zone de mon ventre. Là, comment vous dire que c'est un petit peu la seule chose qu'on voit, c'est mon ventre. Bon. Je suis un peu déçue et je me dis que les box, ça va pas être fait pour moi en fait. Hein, parce que là... On va passer au look 3. Peut-être on va avoir une magnifique surprise dans ce look 3. Peut-être. Hein. Qui sait? On a une robe noire femme en 42 Vero Moda à 14,99 €. Elle est vraiment pas chère. Et un gilet rose femme de la marque Villa en 42 à 34,99 €. Je comprends pourquoi la robe n'est pas chère puisque je viens de regarder à l'instant. C'est une robe en coton à rayures. Est-ce qu'on voit un peu le... J'ai tellement misé sur cette box parce que franchement, c'est vrai que les retours avaient l'air vraiment, vraiment sympas. Ou alors c'est moi qui suis beaucoup trop exigeante. Et du coup, ça ne me satisfait pas parce que j'essaye beaucoup, beaucoup de choses par moi-même déjà. Et donc, j'ai du mal à être surprise par une box. Mais c'est une robe de femme enceinte, en fait. Oh, je suis désolée. Puis alors, moi, j'ai beaucoup de mal à cacher, mon faciès. De déception ou autre. Ouais, c'est une robe, c'est les basiques qui habillent robe femme enceinte. Bah, je sais bien que je veux cacher mon ventre, mais je veux pas non plus qu'on croie que je suis enceinte, quoi. Hein? Bon, on regarde. Voilà. Bonjour. Je m'appelle Angélique, j'ai 57 ans, voilà, je suis RH, responsable administrative, je n'ai pas confiance en moi,
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, de ça? Ah, le gilet, c'est un gilet, hein. Il est beau, il est agréable, matière franchement excellente. La robe, c'est du coton, hein. Avec une petite ceinture là, si jamais on veut vraiment faire ressortir le ventre, on peut ceinturer davantage la taille. Et puis voilà, on aura un petit ventre de femme enceinte. Longueur Maminova, gilet avec poche comme ça. Que dire? Que dire? Je sais pas, je me suis peut-être trompée sur mon âge. J'ai pris mes mensurations, j'ai pris mes tailles, j'ai dit les couleurs que je portais, les vêtements que je portais, ce que je cherchais dans cette box, c'est-à-dire être surprise, porter des choses que je n'avais pas l'habitude de porter, mais je le voyais pas trop dans ce genre-là, en fait, pas dans ce sens-là. Je le voyais pas dans ce sens-là. Vous l'aurez compris, c'est une grosse, grosse déception, cette box. Est-ce que je vais continuer de m'abonner pour recevoir la prochaine? Je sais pas. Vous voyez, quand je vois ça, moi, ça m'aurait carrément plu, quoi. Pour tester. Un beau pantalon comme ça. Un peu chevron. Pas mal, hein? Non. Là, je suis. Regardez-moi ça. Non, mais ça, c'est mémérisant quand même. On est d'accord. Enfin. Moi, je suis déballée. Je suis déballée. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça me correspond ou pas? Vous qui regardez un petit peu mes vidéos régulièrement ou pas, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez sur la mode, sur les tendances des pièces. Moi, j'ai pas compris, hein. Moi, franchement, je comprends pas cette box. Je ne comprends pas du tout. Soit ils sont passés complètement à côté. Soit j'ai merdé dans mon profil, je sais pas, mais à ce point-là, je comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Donc voilà, bon, bah c'est tout. On attendra la prochaine ou pas, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir, je sais pas, je sais pas. Bref, j'espère qu'à vous, ça vous a plu. J'espère que peut-être ça peut vous aider aussi si vous avez envie de commander une box ou de vous orienter. La précédente n'a pas retenu mon attention, celle-ci non plus. Est-ce que je retenterai? Je ne sais pas. Je dois réfléchir à cette question. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager mes vidéos. C'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et à très très vite.